parliamo con la direttrice di Cinéfranco, Marcelle Lean, che ha un bebè, Cinéfranco, che ha compiuto i 15 anni. Ton festival a 15 ans. Et alors, est-ce que tu peux parler un tout petit peu de ça? Oui, je suis très fière d'être venue à la 15e année. Nous sommes dans notre adolescence et bien sûr, c'est toujours un parcours très très difficile parce que ici à Toronto, nous avons maintenant une très grande visibilité des films francophones et des films français et nous devons nous renouveler, nous devons toujours trouver des choses qui intéressent le public. Alors par exemple, nous nous concentrons sur la complicité et la familiarité du public avec les films. Les invités que nous avons ne sont pas nécessairement des cinéastes, mais quelquefois ce sont des gens spécialisés, comme le commandant Patrick Baudot, qui est de la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres, le nerf central des investigations pour très le fameux, film oui. RIF. Donc, nous avons eu déjà une très très belle ouverture et nous sommes le mercredi 28 mars où nous allons avoir une soirée thématique sur l'exclusion, le rejet, l'exil dans deux films, Le Premier Homme en particulier. Qui va sortir en Italie, qui va uscire en Italia il 24 et sera présentato alla stampa il 16. Et puis la désintégration de Philippe Faucon qui parle de jeunesse musulmane française désenchantée qui va glisser, qui va à la dérive vers la cellule terroriste. Et c'est un film d'actualité puisqu'il y a eu ces événements horribles de Toulouse. Et donc voilà. Nous allons clore le festival avec un très très beau film, le film donc de Philippe Lioret, Toutes nos envies, avec Marie Gillin et Vincent Lindon. Alors à la prochaine. À la prochaine.